L'offensive contre Mossoul, fief de l'État islamique en Irak, se prépare. Les forces irakiennes soutenues par les raids américains sont sur le point de reprendre Qayara à une soixantaine de kilomètres au sud de Mossoul. Une position clé pour préparer l'assaut final. Alors que l'étau se resserre autour des djihadistes, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés met en garde contre une nouvelle catastrophe. Mossoul, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, dit Adrian Edwards, est la deuxième plus grande ville d'Irak. L'impact humanitaire de l'offensive militaire sera énorme. Jusqu'à 1,2 million de personnes pourraient être affectées. Près de 3,5 millions de personnes ont déjà été déplacées en Irak depuis que Daesh a conquis en début 2014 la ville de Fallujah, reprise cet été par l'armée irakienne. Mossoul sera libérée en 2016, a promis le premier ministre irakien.